Bonjour à tous, c'est Stardust Dragon Full et aujourd'hui on se retrouve donc pour la troisième partie donc sur ma nouvelle série de vidéos qui s'appelle à la découverte de Bakugan Battle Planet. Donc aujourd'hui je vais ouvrir une autre Baku Storage, donc cette fois ça va être la version rouge avec Dragonoid Pyrrhus à l'intérieur et ses deux Baku Corps ainsi que sa carte personnage. Et ensuite on va s'ouvrir donc trois single packs. Donc tout d'abord on ouvrira Vatus Fangzor en Baku Corps, en Bakugan Corps pardon. On ouvrira un Bakugan Ultra Darkus Fangzor. Et enfin, un Bakugan Ultra aussi. On va s'ouvrir donc un Aos Krakelios. Donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer à l'ouverture de la boîte. Donc voici la mallette déballée. Donc à l'intérieur, on va pouvoir retrouver le Dragonoid Pyrrhus, ses cartes personnages donc en 3 exemplaires, ainsi que les Bakugans. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez sympa, franchement on peut bien mettre donc ces Bakugans sans qu'ils se touchent, donc ça c'est cool. Du coup, soit vous pouvez donc mettre vos cartes personnelles ici, quelques Bakugans là, et ensuite des Bakugans là, ou alors vous pouvez donc enlever les cartes personnages, enlever les Bakugans, et là comme vous pouvez voir, ça vous fait donc 4 emplacements supplémentaires pour mettre des Bakugans. Donc c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, je la trouve assez pratique. De plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner, quand vous en avez deux, vous allez pouvoir combiner les deux ensemble. Et voilà, comme ça, ça vous fait une grande mallette de rangement. Et je trouve ça vraiment classe. Voilà pour la petite présentation donc de la boîte. Vous voyez, c'est pas compliqué et c'est vraiment super pratique. Ensuite donc, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va retrouver donc ces trois cartes personnages ainsi que deux Bakugans. Donc au niveau de la carte personnage, pour jouer Dragonoid, il vous faudra donc un Bakugans point flamboyant ainsi que un Bakugans point. Donc c'est une carte donc de type Pyrrhus, Dragonoid, avec une puissance B de 200 et un strike de 5. Carte sans effet. Voilà. Moi je la trouve vraiment stylée, un Pyrrhus, c'est classe. Au niveau donc des Bakugans, on a donc un Bakugans point flamboyant, qui a donc plus 150 en puissance B et plus 4 en strike. Et au niveau du point, on va avoir un plus 150 en B et un plus 2 en strike. Et voilà, notre petit Dragonoid Pyrrhus Corps. Il est excellent. Moi je l'aime beaucoup dans sa couleur de base. Je trouve qu'il est vraiment classe. Et pour le remonter, c'est pas compliqué. On remonte les pattes. On ferme une aile. On passe de l'autre côté. Et vous refermez. Voilà. Donc pour Dragonoid Pyrrhus ainsi que la mallette. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture du Bakugan Vatus Fangzor. Donc voici notre Vatus Fangzor déballé. Donc comme je vous avais dit, on a les 3 cartes personnages, les 2 Bakugans ainsi que le Bakugan. Au niveau de sa carte personnage, on a donc l'élément Vatus Fangzor. Pour l'utiliser, il vous faut un Bakugan bouclier ainsi qu'un Bukikor, un Bakugan bouclier. Point flamboyant. Ensuite, donc il a 300 de puissance B, 3 de strike, et il a une capacité spéciale qui dit que quand ce Bakugan s'ouvre, les Bakugans adverses reçoivent moins 1. Donc ce qui est vraiment intéressant. Carte donc à dos noir pour toutes les cartes personnages. Le bouclier qui lui donne plus 300 en puissance B, et on a le point flamboyant qui lui donne moins 5 en strike. Donc c'est un très bon piège. Vous voyez, le très joli Fangzor Corps. Il a une jolie forme, il a une bonne couleur. Ici, donc, on peut retrouver sa puissance B. J'aime beaucoup. Donc, au niveau du montage, et voilà, votre Bakugan est remonté. On va voir un petit peu ce qu'il donne une fois lancé.
Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, on va passer au prochain Bakugan. Alors, pour Darkus Fanzor Ultra, on va retrouver donc une liste des Bakugan. Comme ça, vous pouvez les cocher en fonction de ce que vous avez. Ça permet de se repérer, c'est quand même bien pratique. Et au dos, on vous montre donc comment remonter votre Bakugan. Ici, on va retrouver les règles simplifiées. Prêt pour jouer. Donc, au niveau de sa carte personnage, nous avons donc le fameux Fanzor Ultra. Voici sa carte personnage, une carte Darkus. Il faut pour le jouer donc un bouclier magique et un bouclier. Il a plus 600 en puissance B, plus 1 en strike. Et ensuite, comme vous pouvez voir ici, il a un effet que l'on verra plus tard quand on parlera donc de la version avancée. Ensuite, on va retrouver donc une carte maîtrise qui est pareil en 3 exemplaires, qui va vous servir donc surtout pour la version avancée donc de ce jeu, qui s'appelle Rite du Darkus, coût en énergie 5, donc carte ténèbres, action, qui dit donc choisis un joueur pour qu'il se défausse une carte pour chaque Bakugan ténèbres dans ton équipe. C'est plutôt pas mal. Il la trouve vraiment jolie, donc dos rouge, carte maîtrise. Ensuite, donc, au niveau des deux Bakugan fournis, on a donc le bouclier magique qui nous donne donc plus 550 en puissance B et le bouclier qui lui donne moins de 100 en puissance B. Et enfin, voici le Bakugan Darkus Fanzor Ultra. Il est trop classe. Lui, il en impose quand il arrive sur la table et qu'il se retourne. Franchement, on sait qu'il est là. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est vraiment joli. Donc, c'est cool. Donc, pour le refermer, on va faire ceci. Ceci. Et voilà. Tout simplement. Je trouve excellent. Il est facile à remonter. Il a de la gueule. Il s'en voit bien. Donc c'est parti, maintenant on va voir comment il se comporte justement pendant le déploiement. Yeah, donc il n'a pas fait le saut vraiment au complet, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà pour notre Fanzor Ultra Darkus. Allez, on va passer au dernier unboxing. Donc ça y est, le voici déballé. Donc comme d'habitude, on va retrouver donc ses 4 personnages. 3 cartes maîtrises, 2 Bakugan, le Bakugan. On va retrouver donc la notice d'utilisation ainsi que comment le remonter. Mais pareil, on va essayer de le remonter sans la notice. Ensuite, on va donc trouver sa carte personnage, Craqué de l'os ultra. Donc, c'est une carte de type à os. Il nous faut donc un bouclier ainsi qu'un point en Bakugan. Il a une puissance B de 400 ainsi qu'un strike de 4. Donc, il est dans la moyenne, il est plutôt pas mal. Je trouve que l'archétype est assez joli. Au niveau de sa carte maîtrise, on a donc Flambée de lumière. Donc c'est une carte action qui a un coût d'énergie de 2 et qui dit donc ça donne plus 4 en strike. Donc je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle est pas très chère et du coup ça fait plutôt mal. Donc j'aime bien. De rouge. Ensuite, on va voir donc les Bakugan. Donc, au niveau du Bakugan, le Bakugan bouclier, il a donc moins 100 en puissance B et il a moins 3 en strike. Donc voici Aos Krakelios Ultra. Je le trouve excellent. Donc on va voir un petit peu comment le remonter. Apparemment, ça va dans tous les sens. Ça.
Ok, donc on va faire d'abord l'arrière. On replie. Pareil là-bas. Hop, hop. Donc voilà, pour cette partie-là. Pareil ici. Et voilà donc, Krakelios remonté. Donc ça a été un peu galère, mais c'est pas mal. C'est vrai qu'il est pas simple quand même. Mais je le trouve joli. Donc on va voir un petit peu ce qu'il donne en déploiement. Yeah. Donc lui quand il se déploie, il a son bac au corps donc sur la tête. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà pour cette ouverture. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.